Depuis quelques jours, il y a un conflit qui mettait face à face Haïti et la République dominicaine sous dossier poursuite construction d'un canal sous rivière Massacre pour permettre à Haïtiens de user plusieurs milliers d'hectares pour mener activité agricole. Décision ça, mon département nord-est et spécialement dans la commune Waname prend pour poursuivre à travail ça yo déjà provoqué en pile réaction par côté autorité dominicaine yo. Dans le commencement c'est maintenant président dominicain Luis Abinader annoncé après une réunion conseil sécurité yon ensemble mezi yo prend par rapport à dossier ça. Parmi mes isayos, le gouvernement dominicain a annoncé faire une frontière dans le bon land et puis demander au consul à camper sous processus pour délivrer visa par les citoyens haïtiens. À côté de mes isayos, l'autorité dominicaine prévoit pour camper sous échange commercial avec Haïti par tout moyen à partir jeudi 14 septembre si travail construction canal la pas suspendu. Pendant temps ça, le gouvernement haïtien a annoncé une rencontre qu'a faite mercredi 13 septembre dans Santo Domingo entre le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain sous plus bon moyen pour joindre une solution à la situation. Les médias dominicains Diario Libre déjà parlé des conséquences mais ça y est sur l'activité commerciale dans la zone frontière d'Abonland, prix produit tant cousé déjà baissé dans la zone.